chef de chœur Altachéet, de David Mictam, quand dans la caverne il fuyait Saül. Pitié Dieu, aie pitié de moi, car je t'ai pris pour refuge, et je me réfugie à l'ombre de tes ailes tant que dure le malheur. Je fais appel à Dieu le Très-Haut, au Dieu qui fera tout pour moi. Que des cieux il m'envoie le salut. Celui qui me harcèle a blasphémé, que Dieu envoie sa fidélité et sa vérité. Je puis me coucher parmi des lions de feu, des hommes qui ont pour dents des lances et des flèches, et pour langue une épée acérée. Dieu, dresse-toi sur les cieux, que ta gloire domine toute la terre. Sur mon passage, ils ont préparé un filet. On m'a courbé la tête. Devant moi, ils ont creusé une trappe. Ils sont tombés en plein milieu. Le cœur rassuré, mon Dieu, le cœur rassuré, je vais chanter un hymne. Réveille-toi, ma gloire, réveillez-vous, harpe et lyre, je vais réveiller l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Dieu, dresse-toi sur les cieux, que ta gloire domine toute la terre. Voici le psaume 57. Ce psaume renvoie à l'épisode où le jeune David fuit devant le roi Saül et se cache dans une caverne. C'est ce que nous lisons au verset 1er. Dans la caverne, il fuyait Saül. Alors rappelons-nous du contexte. À l'époque, Saül est roi en Israël. En effet, le peuple avait demandé un roi comme les autres nations qui les entouraient. Le prophète Samuel avait donc oint Saül pour être roi, selon la volonté de Dieu. Saül avait toutes les qualités pour être un bon roi. Seulement voilà, au bout d'un moment, Saül commence à se montrer désobéissant. Non pas une seule fois, non pas une deuxième fois, mais à plusieurs reprises, de façon répétée. Finalement, Dieu choisit un autre roi, David. Mais Saül n'est pas prêt à laisser sa place à qui que ce soit, et surtout pas à David. Il cherche donc à le faire tuer, mais celui-ci s'échappe et s'enfuit dans le désert. Le voici donc seul, caché dans une grotte, craignant pour sa vie. Que faire? Quelle attitude adopter en pareilles circonstances? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au travers de ce psaume que l'on pourrait appeler la chanson du fugitif. Le premier réflexe de David, c'est un appel au secours adressé à Dieu. Pitié, Dieu, aie pitié de moi. Le psalmiste se réfugie en Dieu. Je t'ai pris pour refuge. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Alors c'est très intéressant parce que précisément, le psalmiste est réfugié dans la caverne. La caverne constitue un refuge, mais un refuge matériel, un refuge éphémère, limité, pour ne pas dire illusoire, qui pallie face au formidable refuge que Dieu offre. En effet, le psalmiste continue en disant « Je fais appel à Dieu le Très-Haut, au Dieu qui fera tout pour moi, que des cieux, il m'envoie le salut. » Il insiste sur la puissance divine, sur la capacité de Dieu à nous protéger. Mais Dieu est aussi celui qui fera tout pour moi, celui qui envoie sa fidélité et sa vérité. On insiste ici sur les vertus divines, sur sa loyauté. Autrement dit, non seulement Dieu peut nous secourir, mais il le veut. Il ne nous abandonnera pas. Voilà pourquoi le premier réflexe du psalmiste est de se tourner vers Dieu pour l'appeler au secours. Les versets suivants, 5 à 7, présentent la deuxième réaction du psalmiste. Dans ces versets, le psalmiste décrit la situation de détresse dans laquelle il se trouve. On observe une alternance entre une description effroyable du danger dans lequel il se trouve et une affirmation de la victoire divine. Regardez cette alternance. Au verset 5, il est question des lances, des flèches, d'une épée. Souvenons-nous du contexte. David est pourchassé par Saül et par son armée. Il est réellement question de lances, de flèches et d'épées. Le danger est bien réel. Mais il arrête là sa description du danger et immédiatement au verset 6, le psalmiste confesse la souveraineté de Dieu. Il est
dans les cieux, comme nous avons vu auparavant. Il dit que sa gloire domine toute la terre. Autrement dit, il est convaincu de la victoire divine. Après cette confession, il revient au verset 7, de nouveau, à une description de sa détresse. Il est question cette fois-ci de filets, de trappes ou de pièges, qui renvoient aux lances, aux flèches et aux épées mentionnées au verset 5. David est comme un animal traqué par des chasseurs qui ont disposé des pièges pour se saisir de lui. Mais cette terrible description est immédiatement suivie d'une affirmation de la victoire dont le psalmiste est assuré. Regardez ce qu'il nous dit. « Ils sont tombés en plein milieu. » Alors on voit cette alternance entre une description de l'épreuve et une affirmation de la victoire. Une description de l'épreuve, une affirmation de la victoire. Ça donne un sentiment d'équilibre. D'un côté, on ne va pas minimiser l'épreuve, les difficultés. De l'autre côté, on ne va pas non plus les exagérer. Il s'agit plutôt d'avoir une perspective équilibrée de la situation. C'est la deuxième réaction du psalmiste. La troisième réaction arrive enfin au verset 8 à 12. Voilà ce que nous lisons. Le psalmiste dit « Je vais chanter un hymne. Je vais réveiller l'aurore. » Alors c'est très intéressant parce que c'est les conjugaisons qui sont utilisées en hébreu sont des conjugaisons volitives qui indiquent la volonté du psalmiste. Il est actif, il veut anticiper, il ne veut pas se laisser mener, être passif. Il décide de chanter Dieu, il décide de le louer malgré les circonstances dans lesquelles il se trouve. Cette volonté est également exprimée par le fait qu'il veut réveiller l'aurore. Autrement dit, il ne veut pas se laisser réveiller par le jour, par le soleil qui se lève, mais il veut, lui, au contraire, réveiller l'aurore. Autrement dit, il veut prendre l'initiative, il veut anticiper, il veut montrer sa détermination à louer Dieu coûte que coûte. Les versets 11 et 12 reprennent ensuite les expressions précédemment rencontrées. Au verset 11, il est question de la fidélité et de la vérité de Dieu. Les mêmes termes qui avaient été employés au verset 4. Le verset 12, dans son ensemble, reprend intégralement le verset 6, qui constitue ainsi une sorte de refrain qui revient. C'est pour cette raison que le psalmiste loue Dieu. C'est parce que c'est un Dieu à la fois puissant, qui est sur les cieux, et à la fois un Dieu fidèle, un Dieu loyal, un Dieu qui peut et qui veut prendre soin de ses enfants. Ces versets permettent donc de conclure ce psaume qui se voit encadré par ces affirmations théologiques fortes, tout en présentant une progression en trois étapes de l'attitude du psalmiste face à l'épreuve. Premièrement, il appelle Dieu à l'aide. Deuxièmement, il présente sa situation de façon équilibrée. Troisièmement, il décide de louer Dieu. Cette démarche vise à mettre en avant les vertus divines fondamentales. Dieu est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Il est puissant et glorieux, sa domination recouvre toute la terre, y compris la caverne du fugitif. Thank you.